Mesdames, messieurs, pour profiter de l'hiver, je vous le dis et je vous le redis, il faut aller dehors. Et une des activités agréables qu'on peut faire, c'est de la glissade. Et pour faire de la glissade, plusieurs appareils ou plusieurs choses peuvent vous aider. Alors, je vous présente un toboggan en plastique, probablement très, très rapide. Ça va! Oh, ça wow, fait deux okay, fois. C'était vraiment comme ça freiné avant, là. Ben, en fait, j'ai gamin. Mes fesses sont passées par-dessus bord. OK, hein, c'est ça, à cause du saut. Ouais. Oui, attends, on va se tenter. Attends, puis Laurent s'en vient. Bon, sinon, ton expérience de glisse sur 10? 11, extraordinaire. 11 sur 10. Une autre possibilité est une espèce de planche de surf de un peu souple et ça, c'est sûr que ça va briser après 2-3 hivers. On dira pas que c'est un échec, mais ça fait partie du plaisir de glisser. Yannick! Ah! Votre expérience de glisse à date? Elle était caboteuse et inégale, mais oh, combien satisfaisante. Mais le favori de tous les Québécois et de tous ceux qui savent glisser est le tapis fou, a.k.a. the crazy carpet. Ah, le crazy carpet, c'est un classique. Ça, là, ça roule, ça glisse toujours très rapidement. Vous pouvez glisser en mode Superman. Très important, si vous êtes grand comme moi, vous pliez les genoux. Mon préféré de tous les temps, toutes catégories confondues, le tapis fou. Vous pouvez avoir aussi des soucoupes, mais les soucoupes, je trouve pas ça agréable, il n'y a pas de contrôle. Il y a aussi un 3-ski qui est super le fun aussi à avoir, mais vraiment, rapport qualité-prix, le tapis fou fait tout le travail. Évidemment, ici, on est super chanceux d'être sur le bord d'un lac, d'être bien, mais vous pouvez faire ça en ville, dans les parcs. Petite colline, une petite montagne de neige, et c'est réglé. Une activité très agréable à faire en famille et seul, mais en famille. Espèce. Ah ouais. Ah ouais, pour alors ici, on a une position classique de glisse, parent-enfant. L'enfant est protégé. J'espère que vous connaissez, que votre enseignant vous a appris l'expression attache ta tuque avec de la broche. C'est mon expression préférée. Je tiens les petits trucs. Plein de petits trucs. Est-ce que vous voulez que je vous pousse ou on pousse pas l'audace jusque là? Regarde. Ben, c'est comme tu veux, mais ton plan va être meilleur si. Penses-tu? Ça y est beau, hein? Guigui! C'est impeccable! La plus belle glissade que j'ai vue de ma vie! Comment c'est soldé votre expérience de glisse? Ben, on a essayé plusieurs moyens de transport, dont le tapis fou, le crazy carpet. Mais clairement, là, celui sur lequel on a le plus de plaisir, c'est ce petit bolide bleu qui appartient à Léon. Mais Mathilde et moi, on a pu s'asseoir. C'est finalement le toboggan bleu. Exact. Je sais pas si on peut dire toboggan. Ouais, en France, ils disent le toboggan. Nous autres, on dit quoi? C'est comme traîneau. Un traîneau, hein, habituellement. Ouais. Il me semble que le traîneau, pour moi, c'est toujours le en bois. Là, la traîne sauvage. C'est ça. Donc, le bleu, c'est le meilleur. Ben, le meilleur pour vous. Avec un enfant. Si on veut aller de la vitesse, on va aller avec le tapis fou. Ah, ben, c'est ça.